Présente dans 7 des 9 provinces du Gabon, la GASA a pour vocation d'apporter des solutions concrètes face aux risques sanitaires auxquels sont exposés les consommateurs des produits alimentaires. Il faut dire que la GASA exécute les politiques publiques en matière de sécurité sanitaire et phytosanitaire. Autrement dit, la GASA couvre toute la chaîne alimentaire et toutes les activités liées au secteur phytosanitaire en République gabonaise. Nous exécutons les missions de contrôle de la conformité des établissements du secteur alimentaire, de la fourche à la fourchette, donc de la plus petite échelle à la plus grande échelle de la chaîne des valeurs du secteur alimentaire. C'est essentiellement cela dans le pan alimentaire. Et dans le pan phytosanitaire, faisons également la même chose. Pour plus d'efficacité dans ces missions, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire met à la disposition des consommateurs un numéro vert, le 1411. Alors, un numéro vert, pourquoi ? La GASA a remarqué que les clients, les consommateurs gabonais, d'accord, se plaignaient, mais de façon inadéquate. Donc, un numéro vert a été créé dans cet objectif-là. L'objectif étant de communiquer, de recueillir les informations nécessaires, les plaintes sur la qualité des aliments, sur la conformité des établissements que d'éventuelles personnes pourraient dénoncer, mais ne savent pas comment le faire. Donc, nous avons structuré cela à travers le numéro vert qui est le 1411. La GASA est une agence technique à caractère scientifique qui dispose de 4 directions, à savoir la direction des opérations, la direction d'évaluation des risques sanitaires et phytosanitaires, la direction de l'inspection et des contrôles sanitaires et phytosanitaires, et enfin la direction sanitaire halieutique.